écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Mais Dieu est un Dieu. Un Dieu, lorsqu'il parle, la création est manifestée. Mais qu'est-ce que toi tu déclares dans ta vie? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Ce que tu es dit dans ta vie, ce que tu intercèdes, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Mais si tu veux vivre ce nouveau départ, ne viens pas accuser les hommes de Dieu. Car aujourd'hui, c'est toi-même qui vas parler. C'est toi-même qui vas parler. Tu vas intercéder pour toi-même. Tu vas déclarer des choses pour toi-même. Car si tu es en train toujours de dire, ah, finange beba, alléluia. Jamais tu ne réussiras. Viens beba. Amen. Amen. Il y a des gens qui pleurent tout le temps. Angaye. Viens beba. Alléluia. Mais si tu restes à cette étape-là, bien aimé, tu ne réussiras jamais. Amen. La Bible dit l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, de puissance. Amen. Cet esprit-là nous permet de nous lever. Au jour d'aujourd'hui, Dieu cherche encore des personnes. Des personnes comme cette personne-là, Élie, l'un des habitants des Tisbites, alléluia. Qui peuvent s'élever, aller parler même aux gens, aux nations, aux rois, aux présidents de ces pays. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. Les gens croient. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous présenter un reste que nous sommes. Nous sommes un reste que Dieu a choisi. Bien-aimés, si dans ce pays, la parole de Dieu est devenue étouffante, alléluia, nous allons réveiller cette parole-là. Bien-aimés, si toi et moi, nous marchons ensemble, comme Amos 3:3 dit, deux personnes peuvent ils pas marcher sans pour autant se consulter. Si nous nous consultons pour dire que nous allons avancer avec la parole de Dieu, nous allons briser des choses qui ne sont pas de Dieu, comme un jour Gédéon a brisé l'autel de son père. C'était l'autel de son père. Alléluia. Amen. Mais Gédéon devait briser ça. Mais tu dois briser des choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Un nouveau départ. Nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Premier verset jusqu'au cinquième verset. Est-ce que c'est qui a prié? Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces journées, toi et tous ces peuples. Amen. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Tant que tu vivras. Gloire à Dieu. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoute cette parole. Alléluia. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu veut parler à un homme. Dieu dit, je suis fils de Noun, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Alléluia. Mais quand je lis cette parole, je me pose des questions. Comme si Josué n'était pas au courant. Alléluia. De la mort de Moïse. Mais imagine, je vais vous dire une histoire. Je vais vous raconter quelque chose pour que vous compreniez bien. Mais Moïse, c'était celui-là que Dieu avait choisi. C'est lui qui parlait avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui montait devant la présence.
puissance de Dieu. La Bible dit lorsqu'il descendait, il y avait toujours quelque chose de changé dans sa vie. Alléluia. Mais cet homme un jour était mort. Bien-aimés, la fin d'une saison annonce le début d'une saison. Alléluia. Bien-aimés, Moïse peut-être était ton père. Moïse peut-être c'est ton travail que tu as choisi. Alléluia. Moïse peut-être c'est cette situation-là bien que toi tu préfères tant. Mais laisse-moi te dire, un jour cette situation t'a quitté. Alléluia. Un jour cette situation t'a quitté. Mais Dieu dit maintenant. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas que Moïse soit mort. Non. Mais ce qui m'intéresse, c'est le maintenant de Dieu. Mais laisse-moi te dire, ton nouveau départ, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas dans le passé, mais c'est maintenant. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, alléluia. Tu peux remplacer ce maintenant-là. J'étais à mon poste. Alléluia. Ouais. Il était élevé devant la présence de son Dieu. Il dit, j'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais parler à ton prophétie. La prophétie qui était déclarée dans ta vie. Cet homme-là était bien tenu devant. Alléluia. Il était sur quelque chose. Une estrade. Et il attendait. Il était sur la montagne. Heureusement ce soir tu es là. Amen. Amen. Heureusement tu es là. Amen. La Bible dit cette prophétie, même si elle t'est certainement. Amen. Alléluia. Amen. Mon serviteur Moïse est mort maintenant. Lève-toi. Bien-aimé, l'église de Paris cherche des gens qui se lèvent dans la prière. Aujourd'hui, il y a trop de distractions. J'ai béni Dieu par rapport aux combattants. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus beaucoup de choses, mais les gens trouvent quand même des excuses. On a quitté trop de problèmes. Mort, alléluia. Lorsqu'il va pleuvoir, il n'a plus. Lorsqu'il va faire froid, ça faisait tellement froid, alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu es une personne dans cette salle, si tu donnes toujours des excuses à Dieu, homme de Dieu, ça ne sert à rien que cet homme-là puisse tracer sa route. Alléluia. La Bible dit, Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mais si nous sommes là, ce n'est pas sans fin, ce n'est pas pour voir une personne, mais c'est pour écouter Dieu. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi ne vient pas de la parole de ton oncle. La foi ne vient pas de la parole de ta tante. Qui te dit un jour, tu ne réussiras pas. Même si l'administration de ce pays te refuse les documents, laisse-moi te dire, la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Alléluia. Amen. Mais si tu espères, la foi va se manifester dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiastes 10, 17 dit, il y a de l'espérance pour toute chose qui vit. Alléluia. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui crachaient le feu aujourd'hui, ne sont pas. Alléluia. Toi, tu es vivant, c'est ton temps maintenant. Bien-aimé, le temps de Moïse qui faisait les miracles passés. Moïse a dit partager les mains des meilleurs. Alléluia. Mais un jour, cet homme-là s'en est allé. Cet homme-là s'en est allé. C'est le tour de Josué de rentrer sous scène. Aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est plus le temps des figurants, mais c'est le temps des acteurs. Alléluia. Bien-aimé, Moïse est parti. Dieu dit maintenant lève-toi.
toi. Passe ces journées. Permets-y, je me vois dans cet homme Josué. Il se pose des questions lui-même. Seigneur, comment je peux passer ces journées? C'est lui qui partageait les mers et mort. Alléluia. Mais me laisse-moi te dire, même si c'est là qui prophétisait plus que je ne sais quoi, permets, son mort, laisse-moi te dire, il y a toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toi. Même si les gens qui crachaient la parole des jours, un jour ils vont mourir. Il y a un temps pour toute chose. Amen. Il y a eu l'Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour toute chose qui vit sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Alléluia. Amen. Mais quand ton temps arrive, bien aimé, ne lâche pas ton maintenant. Yes. Moïse est mort, le faiseur de miracles. Josué était devant le fait accompli. Il y avait un grand peuple et il y avait une mer à traverser. Il y avait les Jourdains. Alléluia. Amen. Imaginez arriver à son état. Il était attristé déjà parce qu'il aimait bien rajouter des jours. Amen. Ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Il aimait bien rajouter. Alléluia. Amen. Oh, on peut rajouter encore 2 semaines. Alléluia. Amen. Ça, c'est les gens qui, hein, quand on amène un mort ici, on va voir des hommes de Dieu. Oh papa, moi j'ai un train à prendre. Parce que c'est un problème. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, cet homme-là était devant un grand problème. Il y avait un grand peuple et il y avait la mère qui se pointait devant lui. Papi. Dieu lui dit, lève-toi. Papi. Prends courage. Alléluia. Amen. Passe ces journées. Mais si tu restes à ta place, tu ne passeras pas ton journée. Yes. Mais si tu ne bouges pas, ton nouveau départ, tu ne vas pas l'attraper. Yes. Aujourd'hui, il va falloir que tu te lèves. Alléluia. Qui ne cesse tous les jours de se montrer dans ta vie. Et que les réalités de ses yeux les remarquent même. Parce que lorsque tu as des problèmes, lorsque ta tête ne fonctionne pas, lorsque tu as même des boutons, tu vois ça, tu aperçois. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, mais les réalités des hommes ne sont pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est autre chose. Cette vérité-là est venue te dire, ce que tu vois là, rien, ce n'est que l'ombre de la mort. Il est à côté de toi, le bon berger. Amen. Il me tient par la main. Alléluia. Il est à côté de toi, bien-aimé. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ces journées. Et Dieu dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, imagine tout ce que tout lieu foulera la plante de tes pieds. Dieu te donne. Alléluia. Mais imagine ce que Dieu te donne aujourd'hui. Paris, là où tu as atterri un jour, je ne sais si c'est à Charles de Gaulle ou à Orly. Alléluia. Dieu a dit qu'il t'avait déjà donné le jour où tu avais foulé tes pieds. Mais c'est que ce qui arrive dans ta vie, pourquoi tu n'as pas de travail? Parce qu'un jour, tu avais oublié qui tu étais. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te dit que tu es un roi. Dieu te dit que tu es son fils. Il t'a pris parce que la parole est venue au ciel, le ciel, non. À tous ceux qui ont reçu, à ceux qui pensent, il leur a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. La Bible dit, Esaïe 53 dit, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Mais la condamnation n'est pas dans ta vie. Ce qui était dans ta vie, c'était tes pensées. Mais si tu n'arrives pas à outrepasser tes problèmes, parce que tes pensées ne sont pas développées. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui que cette parole révolutionne ta foi. Et que ta foi commence à se manifester. Car la foi, c'est comme le muscle. Alléluia. La foi doit prendre du muscle. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. L'œuvre de la croix est déjà passée, mon frère, ma soeur. N'attends pas qu'on ait encore là-bas crucifié Jésus. C'est fini. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Aujourd'hui, que ta maladie fléchisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, que ton infertilité fléchisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, que ton problème de travail fléchisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, que ton manque de papier fléchisse. Jésus. Oh, yes. Élevons-nous devant sa présence.
mon âme. Jésus est Seigneur, aime dans le tombeau. Jésus est Seigneur, aime dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui, moi.
Seigneur.